Ça aussi, c'est une autre scène artistique que certains pourraient dire. Tucker Carlson, animateur, vedette de droite, qui était la grande vedette de Fox News, qui l'ont mis dehors d'ailleurs, causé fausseté qui répandait, mais qui continue sa carrière, très proche de Donald Trump et de la branche MAGA des Républicains, est en Russie pour interviewer nul autre que Vladimir Poutine. Extrait de ce qu'il a dit. We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon. There are risks to conducting an interview like this, obviously. So we thought about it carefully over many months. Here's why we're doing it. Alors, c'est Tucker Carlson qui va expliquer, entre autres, là, que la plupart des médias, beaucoup de médias occidentaux ont refusé d'interviewer Poutine, ce qui a été démenti par le Kremlin. Pourquoi va-t-il là-bas rencontrer Poutine? Et surtout, pourquoi Poutine l'accueille-t-il à Moscou dans cette entrevue? Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand, avec moi pour tenter de le comprendre. Salut Guillaume, merci d'être là. Bonjour Michel. Est-ce qu'il faut voir dans la présence de Tucker Carlson juste un coup médiatique ou une volonté, parce qu'il n'y a jamais rien qui est le fruit du hasard dans le monde de Vladimir Poutine, de se rapprocher d'une frange américaine qui est opposée au soutien des Américains à la guerre en Ukraine? Bien, c'est la rencontre de deux intérêts. Pour Vladimir Poutine, il sait très bien qu'une frange de l'électorat américain et de la classe politique américaine aimerait bien cesser de financer l'Ukraine. Alors, là-dessus, M. Tucker Carlson devient son porte-parole essentiellement, parce que, détrompons-nous pas, M. Carlson se décrit comme un journaliste, mais, et c'est pas parce qu'il est à droite ou à gauche, il n'a pas deux atomes d'honnêteté intellectuelle à frotter ensemble. C'est véritablement lui, le porte-parole d'une multinationale dédiée à son nom et son compte de banque, où il devient un porte-parole extraordinairement efficace d'une version populiste qui vise à générer des clics et nourrir son groupe. Et donc, je me fais l'avocat du diable. Excuse-moi de t'interrompre, mais je me fais l'avocat du diable. Je voyais hier, notamment sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens disaient « Ouais, mais Barbara Walters et d'autres journalistes ont interviewé dans le passé Vladimir Poutine. C'est OK quand c'est quelqu'un de la gauche, mais c'est pas correct quand c'est quelqu'un de la droite. » Ta réponse, c'est que le problème, c'est pas tellement à gauche ou droite, c'est l'intention de la personne. C'est ça. C'est-à-dire, et là-dessus, c'est vrai que Mme Walters l'avait fait avec Fidel Castro. Bernard Drinville, chez nous, quand il était journaliste, avait interviewé l'infâme Hugo Chavez. Alors, l'enjeu, c'est pas ça. Au contraire, et plusieurs médias ici font des réactions un peu de vierge offensée. Il faudrait canceller Poutine, il faudrait pas lui parler. L'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est quelle sorte de questions on va poser. Et là, on peut donner la chance aux coureurs, mais attendez-vous pas à des questions très difficiles de Tucker Carlson. Il dit depuis le début que Vladimir Poutine, lui, il ne l'a jamais trahi, contrairement au leadership américain. Alors, voyez un peu le genre. Ouais. Et n'oublions pas que les journalistes qui posent des questions embarrassantes en Russie, ils sont en prison. Alors, si M. Carlson est tranquillement installé à l'hôtel, c'est probablement pas parce qu'il va poser des questions très, très difficiles. Oui. Dans un cas comme ce que Tucker Carlson fait là-bas, Donald Trump, lui, regarde avec intérêt quand même. Oui, parce que ça le nourrit à la fin. Il y a presque une espèce d'adéquation entre ceux qui ne croient pas les élites, le mouvement populiste, l'idée que les États-Unis ne devraient pas jouer ce rôle de police internationale, être engagé envers l'Ukraine. Alors, il y a une espèce d'adéquation entre les intérêts de Trump, la clientèle de M. Carlson, le mouvement populiste et une espèce d'accoquinage. Ouais. Avec Vladimir Poutine. Et il dit d'ailleurs, Tucker Carlson, que l'objectif, c'est aussi de donner la perspective de la Russie sur le conflit, comme si on ne l'avait pas entendu, Marc. Bien, à la limite, ça, ce serait en soi intéressant. Moi, je voudrais entendre davantage Vladimir Poutine, quoiqu'il parle régulièrement aux médias russes. Alors, on la connaît, sa perspective et son discours. Est-ce que Vladimir Poutine, qui est un dictateur tout-puissant, chef d'un système mafieux, va accepter de se faire contredire et coincer par un journaliste sur son territoire? On peut y croire, là, mais franchement, j'ai pas trop d'espoir. Un journaliste peut-être, Tucker Carlson, on a le droit d'être sceptique. Guillaume, merci beaucoup, là. Au plaisir. Salut, Guillaume. La voix.